Bonjour tout le monde, ici c'est Coach Chanto. Donc aujourd'hui, petite fameuse vidéo pour les abdos, puisque c'est bientôt les vacances, donc c'est le moment de s'y mettre. Donc on va faire 40 secondes d'exercice et 20 secondes de récupération. Et on va faire ça 8 fois. Donc ça suffit largement, c'est pas la peine d'en faire 40 000. Hein, ça suffit pour avoir une belle sangle abdominale. Donc on va partir, on va se mettre en place, je vais lancer le chronomètre. Donc on va commencer sur le dos, pied largeur des hanches, les mains au niveau ici des tempes. Et on est parti ensemble, 40 secondes. Alors on essaie de pas trop décoller le bas du dos, d'accord? On rentre bien son ventre et on vise le sol. On essaie de pas mettre les mains derrière pour pas tirer sur la nuque. On regarde bien vers le haut. On souffle en haut. Allez, on est parti. Ça va durer 8 minutes. C'est court, mais c'est intense en même temps. Allez, 20 secondes. Dès que ça va pas, vous pouvez faire une petite pause. D'accord? Si ça va, vous restez encore pendant le mouvement. On creuse pas le bas du dos, c'est important. Essayez de bien plaquer. Encore. On décolle. Ah si après tout ça n'a pas des abdos, je vous le dis moi. C'est que le début. Ok. Stop. Relâchez. 20 secondes de pause. Deuxième exercice. Ici, vous allez venir mettre les bras comme tout à l'heure au niveau des tempes. Et on va venir chercher sur l'extérieur des genoux. Allez, on se prépare. 5, 4, 3, 2, 1. On y va, let's go. Extérieur, tu reviens. Ici, on va décoller l'omoplate. Ici, on souffle, on inspire. Allez, pensez toujours à respirer. On plaque bien le bas du dos. Et on essaie de rentrer légèrement le ventre, le nombril. Allez, ça devient trop dur. N'hésitez pas à faire une petite pause. Ou même à ralentir un petit peu le mouvement. Allez, let's go. Il reste 15 secondes à peine. Allez encore, on respire, on y va, on lâche pas. Allez, 4, 3, 2, 1, relâchez, 20 secondes de pause. Donc les abdos c'est assez dur, hein, surtout quand on les maintient sous tension comme ça. Mais c'est très efficace, après ça sert à rien d'en faire tout le temps. Hein. Mais une fois, tous les deux jours ça suffit largement. Troisième mouvement ici, on va imaginer une corde et c'est comme si on va aller tirer en décollant les omoplates. 3, 2, on y va. Expire, inspire. Allez, souffle. Le but c'est d'essayer de chercher un peu plus haut la corde à chaque fois. Si vous avez mal au cervical, l'option c'est pareil, mais hop, vous voyez, en décollant à chaque fois. Allez, go. Surtout, pensez à bien souffler. Dès que ça devient trop dur, faites une pause, n'hésitez pas à prendre des pauses. Allez, go. Lâchez pas, hein. Il reste 9 secondes, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dernier, et relâchez, parfait. Ok, 3 exos de fait déjà. Vous voyez, ça passe vite quand on s'amuse, hein. Non, pas trop. Bon, bah le plus important, c'est de le faire. Hein. Allez, on tient, on tient. Quatrième exercice. Ici, ça va être avec les bras derrière la nuque, enfin au niveau des oreilles, et on va venir croiser ici. Avec les jambes. C'est parti. Ça fait croise, croise. Les dos fragiles, si vous avez mal au dos, d'accord, n'hésitez pas à aller un petit peu plus haut, vers le plafond. Si ça va, vous gardez les pieds proches du sol. Expire. Encore. Allez, on maintient bien son ventre et ventre. Parfait. Allez, il reste 14 secondes. Pensez à souffler, c'est très très important. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et relâchez. Ouh. Oh là là. Et après tout ça, faut pas aller au Big Mac, hein. Faut pas manger des McDonald's, les amis. Aïe, aïe, aïe. Allez, le cinquième, mais un des plus efficaces pour moi, c'est le relevé de jambes. Mettez les bras de chaque côté du bassin, posez la tête au sol. Si vous avez des petites douleurs au cervical, et on est parti. Ici. Expire. Allez. Souffle en haut, hein, souffle. Attention le dos. Hein. Si vous avez des petites douleurs de dos, essayez de ne pas trop descendre. D'accord? Vous restez à peu près à hauteur des hanches. Souffle. Allez. Encore. On oxygène bien. Vous avez fait 25 secondes, les amis. Encore. Allez, go.
faut penser à la plage, c'est ça qui motive. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, et relâchez tout. Ouh. Aïe, 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 ça commence à piquer. Hein. Allez. On en a déjà fait 5, il en reste 3 et c'est terminé. Juste 3 exercices. Allez, on va repartir. Ici, restez allongé, vous allez croiser les jambes. On est parti, ça fait croiser les jambes. Et vous montez en même temps. Et vous redescendez. Pareil, si ça vous jette sur les cervicales, vous posez la tête au sol. Attention, si ça fait mal au dos, vous pouvez placer les bras derrière le dos. D'accord, lors du mouvement. Allez, si ça va, on est là. Allez, mains sur les côtés, tête au sol. On fait attention à ne pas trop cambrer quand on descend. On contracte un petit peu le fessier. Allez, 15 secondes encore. N'hésitez pas à bien croiser, à descendre bien bas, à bien remonter, expirer. Allez, dernier, 4, 3, 2, 1, et relâchez. Yes. Ouf. Allez, plus que 2. 2 et on a fini. Allez, ça va pas être les plus sympathiques, mais ça va être peut-être les plus efficaces. Allez, go, il reste 7 secondes. Ah, on souffle bien, on respire. Hein. On va mettre les bras derrière et on est parti. On souffle, on inspire. Allez, regardez devant vous. Là, tu tends, hop, tu fléchis, tu tends. Tu inspires, tu souffles. Allez, allez. On vient de commencer. Hein. Il reste 20 secondes. Et c'est l'avant-dernier. Donc, c'est pas là qu'il faut lâcher. Hein. Allez, 15, 14, 13. 10 derniers, 8, 7, 6, 5, 4, 3, allez les gars, et relâchez, nickel, ouf. Il nous en reste un seul et c'est terminé, le dernier, ça va être le plus dur, hein. Allez, allez, 10 secondes de récup, soufflez un peu, 7, et ouais, ça passe vite la récup, hein. Allez, 3, deux, ici, on s'incline un peu. Et regardez, ça fait lève, passe en dessous. C'est trop dur, vous fléchissez les jambes, d'accord? Jambes fléchies, si ça va, ici tendu. Allez, go. Ici, le plus dur, c'est de maintenir en gainage. Gardez bien le ventre rentré. Et grandissez la colonne. Allez. Il reste 19, 18. On a presque fini. Allez, go, on tient, on tient, on tient. 14, 13, 12. Allez, go. 9. Allez, allez, allez. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Oh. Ok, bah nickel. Bah écoutez, c'est fini. Ça dure 8 minutes, ça fait bien mal. N'hésitez pas à prendre des récupérations si jamais vous voyez que c'est un peu trop dur. D'accord, diminuez un petit peu le temps de travail. Le plus important, c'est vraiment de ne pas lâcher et de faire ça une à... Allez, 3 fois par semaine. Ça suffit largement. Après, la musculation, ça fera le reste. Salut tout le monde, coach Anto.